Bonjour et bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bon moi ça va quand même un peu. Et on va faire une petite vidéo sur Roblox, sur un hobby qui s'appelle Échapper à la prison hobby. Bon le jeu m'a un peu intrigué parce que c'est écrit nouveau et donc j'avais envie de tester. En plus avec ces captures d'écran magnifiques là. Donc on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'actifs, beaucoup de visites, que c'est quand même créé en 2019 quand même, j'échappe un peu. Mais c'est pas grave, on va y jouer. Allez, let's go. Donc on arrive sur le jeu. Bon, par contre, c'est du mal à charger un petit peu tout. Donc, je vous trouve coupable. Vous êtes condamné à 150 ans. C'est vrai que c'est embêtant quand même, cette traduction automatique là qui fait anglais, français, ça, c'est compliqué à lire tout ça. Donc, me voici dans la prison et nous pouvons remarquer que c'est quand même le luxe, hein, quand même. On a une petite bibliothèque avec deux photos, je sais pas pourquoi. Avec un peu de papier. Et nous avons un bureau. Et faisons notre évasion. Peut-être que ces toilettes vont bouger si on le pousse. Ah bah ouais, c'est vrai. Donc avant de rentrer là-dedans, bah mangeons des chips. Mais bon, genre c'est quand même honteux d'avoir mis ce logo. Avec notre bol de nouilles. Délicieux, je vous recommande. Bon bref, on va quand même passer dans les toilettes. Hop, go. Niveau 1, souterrain. Donc on passe par un tuyau d'égout. Ça a l'air toxique tout ça. Hein. Oh, ça. Salut ça. Est-ce que tu peux nous tuer? Je pense pas qu'il veuille en vrai, mais c'est plutôt flippant. Ah, je pense que là il y a un tuyau. D'accord, c'est très bien, on peut passer. Bon là on meurt pas normalement, ça va. Salut Kylian, c'est un abonné hein, bien sûr. Je l'avais pas invité, mais bon il a rejoint, c'est cool. Donc le mec il nous a suivi un peu comme Professeur Chen quand même dans les jeux Pokémon. Il te suit partout, mais il se téléporte, mais sans passer dans le même chemin. Voilà. Ou soit c'est sosie, soit c'est qui se téléporte. Voilà, c'est un saillant. Bon niveau 1 quand même, ça se passe assez facilement en fait. C'est quand même un hobby. On commence tranquillement avec un projecteur, c'est bizarre. Donc, on arrive à un checkpoint, c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah mince, ça tue. C'est les barreaux qui tuent? Ah mince. Ah non, il faut peut-être passer sur les tuyaux, je pense. Non? Pourquoi il meurt? Quoi? Peut-être qu'il y a un truc, j'ai pas compris. What? Ah, il faut pas du tout toucher les tuyaux, ok, très bien. Vous voulez acheter Skip Stage? Ben non, genre tu payes pour pas jouer, c'est bête en plus. Je pense qu'on devrait jouer comme ça, comme un Mario. En fait, c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut pas toucher du tout. Voilà, très bien. Donc, prochain checkpoint. Nous avons frappé de la lave. Nous avons frappé de la lave. C'est si chaud ici. Voilà, des plateformes plutôt jolies hein, quand même. On dirait que c'est des textures de base, mais bon. Quel jeu Roblox n'utilise pas des textures de base? Donc niveau 2, les events. Très très bien. Donc, d'accord, là c'est un diagonale. Ah bah d'accord, mais moi je meurs sur un truc comme ça, c'est pourri. Kylian il meurt que moi, c'est incroyable. Easy. Allez, la ventilation, génial. Hop, checkpoint. Très bien. Allez, j'ai pas vu les lasers. Faut pas sauter maintenant. Ah, je pense qu'il faut se mettre en dessous. Ouais, c'est un peu dur. Hein. Ok, good. Non. Les tranchées, vite. Ah, attends. Oh non, Kylian. Bon, il va me rattraper en vrai. Allez, hop, on poursuit. Là, hop, technique de speedrunner. Chouette, voilà. Prochaine étape. Allez, laser. Voilà, faut pas non plus se rater parce que c'est quand même des défis assez faciles. Faut se l'avouer quand même. Enfin, ça dépend pour qui après. Donc là, on suit ouais, une canalisation, c'est bien. Voilà, niveau 3, hors de la cellule. Donc, c'est parti. Hop, ventilation, on monte. Ça fait ascenseur. Ah, salut mec. Et regarde. Oh purée, mais. En fait, c'est traduit par Google Traduction. Donc, franchement, c'est. Bon, c'est pas grave. On sait quoi faire. Là, hop, il y a un bouton. Ah, ça met une cinématique. Ça a détruit l'hélice. C'est pas mal. Il y a un peu de déco, hein. Faut quand même s'avouer. Hop, on sort de notre prison. Oh, c'est bien fait en vrai quand j'y pense. J'aime bien. Ah mince, il m'a photographié l'agent. Oh le bruit. La cellule est fermée. C'est la panique. Ah, qui est là? Ah mais je pense que c'est en cinématique. Ça fait peur. Faut trouver une sortie quand même. Ah merci. Nous avons besoin d'une carte clé pour cette porte. Trouve-la. Ok, on va trouver cette carte clé. Carte clé. Est-ce que tu as une carte clé? Non. 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 Donc on peut pas aller dans les cellules. Assurez-vous de ne pas réveiller ce flic là-bas. Utilisez ces boîtes pour entrer dans les events. Utilisez ces boîtes? Quelle boîte? Là-dedans? Mince! J'ai pas compris. Ah bah je suis mort, génial. Est-ce que je peux réapparaître monsieur? Non, je ne veux pas acheter de skip stage.
J'ai envie de jouer. Ah d'accord, c'est boîte. D'accord, ben lui, Kylian, il est fort. Hein. Allez, hop. D'accord, on peut traverser, c'est génial. Donc on passe par les conduits. Bon, il y a deux sorties, mais une est bonne. Ah, carte clé. Hein. D'accord, on a réussi. Est-ce qu'on peut l'assommer? Non, en vrai, ça sert à rien. On va remonter. Mais je me demande, il y a quoi la deuxième sortie? Je vais voir. Non, parce qu'il y en a quand même deux, là. Oh mince, ça tue. En plus, ma tête est entre mes cuisses. C'est génial. Allez, prochaine étape, le checkpoint. Activation de sol laser, ne laissez pas le prisonnier s'échapper. Bon, c'est la même chose, hein. On dirait, comment ça s'appelle déjà? Mince, runner, je crois. Enfin, un mode de Garry's Mod. Ah mince, il faut rester sur les tables. J'ai cru que c'était que ce tapis là qui faisait mourir. On doit sauter sur le mobilier. Je crois que c'est des plateaux là, des plateaux géants. Est-ce qu'on peut y aller direct? Ouais, c'est bon. Easy. Allez, diagonale. Très bien. Allez, nous suivons. La tête à droite, je pense qu'on devrait aller par là. T'es sûr? Moi, je vais à gauche. Parce que là, il y a du Pepsi là, des cartons. Et est-ce que je peux sortir par la porte? Non. Bon, c'est par là. Mais la caméra m'a filmé. Donc, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. On dirait Star Wars un peu, mais je me crois un peu trop. On monte les escaliers. Hop. Salut la caméra. Checkpoint. Ah, le garde nous tire dessus. Non. Oh, mais non, mais il me tire. Ah non, bah en fait, je crois qu'il faut pas rester immobile. Bon, bref. Quoi? Oh, j'ai réussi. Bah, merci les bugs. Hein. Des indicateurs pour sauter, on dirait. Mince. Vite, sauter. On clique. On court. Là, il y a une fusée. Hop, on monte. Allez, vite, avant que le garde nous tire dessus. Oui, dans la fusée. Attends, non. Cette roquette pour aller simplement vers la lune. Non. Quelle belle cinématique, hein, quand même. Ah, mon Dieu. Ah, on est sur la lune, tiens. On dirait qu'on s'est écrasé sur la lune. On a une faible gravité. Essayons de sortir de cet endroit. Ouais, là, on a des lonceaux. Au moins, là, ça change un peu de gravité. Ah oui, c'est bon. Mince. Bah, j'ai raté le saut, c'est génial. Tac. Hop. Sinon, ça fait quoi? Non, ça fait rien, en vrai, d'être dessus. Oh, purée. Oh, génial. Là, on a plus de speed. Ça, c'est chouette. Hop. Oh. C'est chaud, quand même, hein. On prend vers l'intérieur pour faire des sauts un peu moins longs. Attends, on doit aller où? Non, c'est bon. Allez, hop. Checkpoint. Allez, on saute. On a juste moins de speed, mais on saute assez haut pour atterrir dans l'autre plateforme. Donc, regarde la base de la lune. Laisse la tête à l'intérieur pour qu'on puisse être, je sais pas. Les messages vont trop vite parce que la traduction n'a pas eu le temps d'apparaître. Et surtout, les mots. Ah yes, d'autres abonnés arrivent. Génial. Ah purée, j'adore. Ah non, je sais pas si j'ai mis salut. Ah ouais, mais d'accord. Oh purée, mais non mais, quoi? Attends, mais il pense que c'est pas moi qui joue. Donc après une discussion avec les abonnés, donc je retourne sur le jeu. Sachez que je vous adore, mais on va continuer le jeu. Donc on a vu que c'était des mines. Bon, je préfère ne pas être explosé. Donc on ouvre la porte. Il y a deux portes, mais il y en a une qui ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Donc là, on peut cliquer sur prendre un coca ou un speed cola. On est sur Black Ops en fait. On a besoin de speed cola. Là, on continue à boire. J'adore le bruitage de la boisson dans Roblox parce que c'est incroyable. Hop, checkpoint. Voilà, très simple. Les toilettes. Hop, génial. Là, on est sur du papier toilette. Ah, par contre, on va jouer en mode FPS parce que le plafond nous gêne quand même. Hop, dans les toilettes. Ouais, on est dans les égouts. Checkpoint. Bon, c'est pas mal, on enchaîne quand même facilement. Et bon, ça va en rien quand même. C'est vrai que on enchaîne bien. Donc, les égouts, faut pas tomber. Voilà, hop, checkpoint. Oh, là, on joue à Frogger. Bon, ça, j'ai eu peur. Vite, vite. Ça va. Parce que j'ai eu peur que les égouts me fassent tomber là. Hop, la porte. Bon, là on a des tuyaux. Ah, qui tire de l'eau. Ok, on attend. Mince. Bon, d'accord, c'est un par un alors. Bon, j'ai fait une bêtise. On attend. C'est long. Oh mince. Bon, on va arrêter en mode FPS parce que bizarrement, je vois mal les distances avec ce jeu. Ah, mais attends, mais on peut pas sauter. Non, on peut pas sauter. Petite. Non, ça va, j'ai peur. Allez, hop. On ouvre la porte. Hop, checkpoint. Bon, il me demande de y aller, mais j'aimerais bien avoir le radeau là. Ah, le radeau. Voilà. On a avec Kylian, là il n'y a rien quand même. Ah non, il faut y aller. Ah non. Ah non, il fallait pas y aller. Non. Je suis bête. Ah non, mais Kylian il meurt pour moi, mais trop sympa. Purée, il fallait pas aller dedans. Bon, on va survivre. Hein. Là il n'y a pas de problème. Oula. Ça, ouais, ça rame un peu. Enfin, ça lag plutôt. Allez, go. On monte. Niveau 4. Le toit. Enfin, les toits. Ah, faut pas toucher la lumière. En fait, on peut contourner très facilement. Hein. Voilà. Pas mal en vrai, la diversité des environnements. Danger. Bon, ok. Allez, on passe dessus les lasers en vision 2D. Hop. Allez, on prend l'hélicoptère. Ouais, yes. Vite sur le chopa. Niveau 5. Ah bah, c'était easy, hein. Crash, atterrissage. Go. Ah ouais, en plus, ça me fait penser à
un jeu Les Indestructibles sur PlayStation 2. Bon, je sais pas s'il y a seulement moi qui connais ce jeu, mince. Bah voilà, trois côtes cassées, génial. Bon allez, non mais je voulais aller vite et en fait au final, ben j'ai pas... Je suis tombé, pourtant c'est rien. Bon là on descend... Je suis n'importe quoi quand même. Hein. Allez, on descend tranquille. Hop, dans le tuyau. Niveau 6, les égouts. Ah tiens, genre on n'était pas y allé. Donc, les égouts. Voilà ce qu'il y a de plus classique comme égout. Hein. De toute façon, c'est connu que dans les jeux vidéo, les niveaux dans les égouts, c'est vraiment une partie de plaisir. Au moins, là, on s'enfuit à deux, là. Bonnie et Clyde. Allez, go. Oh, la cinématique. Ah, Kian aussi, il est en cinématique, c'est marrant. Oh, Alcatraz, la prison. Oh non, on n'y retourne pas quand même. Ah non, pas la même. Ouais, il n'y a pas de problème, on peut sauter. Ça, c'est des cellules d'autres joueurs, donc c'est pas très intéressant. Ça aussi, d'autres cellules. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on devrait demander aux personnes. Hé, j'ai quelque chose dans cette pièce qui pourrait t'aider. Ah oui, un pied de biche. J'avais pas à cliquer. Allez, go, un pied de biche. Ça sert à quoi? Non. Je me demande qu'est-ce qu'on doit faire avec le pied de biche. Ah, il y a une indication pour monter. Allez, Kylian, on va sortir de là. Allez, on répare cette fuite, on dirait. Allez, go. Allez, on descend dans les égouts encore. Mince! Ah, je suis pas doué. Bon, faut que je reprenne ce pied de biche. Allez, là, cette fois-ci, on tombe pas. Hein. Donc, on passe par là. Ah, niveau 8, la tuyauterie. On garde quand même notre pied de biche, un peu bizarre. Pourtant, on n'a pas gardé notre speed cola. D'accord, on pouvait pas passer sur le côté, pourquoi pas. Faut faire attention aux dents. Oh mince, je me suis fait toucher. Ah purée, je sais comment gérer facilement. D'accord, allez go. Good, merci Kylian de m'avoir attendu. Allez go, on monte. Voilà, vision Mario. Ah mince, je me fais toucher. Mince, l'orteil. Arrêtez avec vos achats là, j'ai pas envie de finir plus vite le jeu quand même. Sans rigoler, là ça fait peur là. Avec le truc qui tourne, ça donne le tournis leur truc là. Voilà, allez on rejoint la sortie vite. Kylian, non, Kylian. Allez, purée, ben, lui il fait bien au moins. Parce que bon, c'est vrai que quand tu le fais vite, t'as pas vraiment envie de retomber encore une fois. Allez Kylian. Ouais, allez on va sortir de là. Allez on monte l'échelle. Non, Kylian. Là on arrive dans une pièce. Hop, on passe la porte. Allez hop, encore des lasers à passer. Très bien. Purée, je suis stage 38 quand même, c'est énorme. On clique sur le bouton. Allez vite, go 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 go. Yes. Allez hop, on enchaîne. Voilà, ce niveau, au revoir. Pourquoi il fait ça? Ah ouais, ok. Ah oui, c'est vrai que il nous dit que la porte est verrouillée. Allez go. Purée, c'est intelligent. Oh non, la chaise électrique quand même. Oh non, ne dis pas que... Oh non, mais ça c'est nul ça. Ça c'est pas du skill. Ça c'est que de la chance. Bon, allez go. À gauche, non, c'est peut-être au milieu. Faut des conseils là, Kylian. Oh yes, non, c'est pas à droite. En fait, je pense que ça change tout le temps. Allez, gauche, droite. Il était allé où après? Ah, c'était gauche. Et là, c'est milieu. Non, c'était pas milieu, purée. Oh, trop malin. Oh non, c'était gauche, purée. Et là, c'est gauche. Ouais, purée, ça c'est vraiment. C'est vraiment un niveau de débile. Hein. Voilà, j'ai dit le chemin à Kylian. Voilà, on l'attend très bien. Et good. Bon, et le laser. Failli toucher. Voilà, très bien. On passe à porte. Hop, prochain niveau. Encore des tables. Là, c'est marchand. Enfin, qu'est-ce que je dis? Mince, c'était la cantine. Purée, mince. Genre, je suis mort alors que j'ai touché le banc, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Les hitbox sont buggés. Voilà, il a fait la même. C'est. Ah, purée, c'est. Ah, c'est vicieux. Allez, go. Checkpoint. Qu'est-ce qui se passe avec ces. Quoi, il y en a deux? Bon, ok. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, on passe la porte. Bon, d'accord, là, faut pas toucher le rouge. On doit faire. Oh, genre, j'ai touché. Non, mais je sais pourquoi. Je suis bête. Faut pas faire comme ça. Faut être en vue FPS. Bon, c'est faire ça, mais voilà, comme j'ai dit, en vue FPS, parfois on apprécie mal les distances. Allez, bien perpendiculaire, purée. Ah, c'est dur, en fait. Non, plutôt, je devrais. Bon, au pire, faire une technique un peu plus safe. Déjà, celui-là, on passe comme ça. Mais celui-là, au bord, comme ça. Mais non, mais genre, je passe pas. C'est grave. J'espère que. Non, Kylian, c'est bon, il est là. Bon, là, c'est pas un niveau idiot. Non, mais j'y arrive pas. Ça a l'air trop dur. Quoi? Il a essayé de sauter directement? Non. Franchement, si ça marche, ce truc. Non, ça marche pas. Ah, c'est bien fait, purée. Mais c'est malin de sa part, en vrai. Genre, il a réussi. Bah, pas besoin de faire la technique, en fait. Hein. Très bien. Mais merci, Kylian. Hein. Bon, y'a rien. Hop, pas de piège. Très bien. On passe. Niveau 10, la cour. Purée, il y a beaucoup de niveaux hein, dans ce hobby. Enfin, de toute façon, je connais pas tous les hobbies, donc bon. On va dire que celui-là, il est exceptionnel. Donc, il y a des tables et des personnes qui jouent au poker. Ils jouent tous au poker, hein, avec de l'argent en jeu, quand même. Wow, nous sommes arrivés à la cour. Seuls les prisonniers avec le meilleur comportement sont autorisés ici. Ah ouais, d'accord, en fait, là, c'est les studios. Voilà, il y a du basket. Mais c'est pas ça le truc le plus important, c'est de s'enfuir. Vite, on va au terrain de baseball. Je crois que c'est du baseball. Oh, purée, c'est...
quoi ce bruit? Niveau 10 les isolements? Mais ça fait deux fois que je suis niveau 10. Ok. Un flic nous a assommé avec une fléchette de sommeil. Et maintenant ils ont mis en isolement. Vite, brise le mur là-bas. On clique. Allez, on y va. Ouais, allez vite, on sort de là, vite. Avant que des agents nous rattrapent. Et go, go, go. Je sais pas s'il fallait actionner. Hop, le checkpoint. Ah mince. Mais qui construit une prison sur un volcan? Franchement. Ah mince, fallait sur les haltères. Ça serait plus malin de ma part quand même. Bon, ok, on va sur les haltères. Voilà, celui-là il donne un peu plus de challenge. Donc, le levier. Ah oui, il faut bien l'actionner, on dirait. Des toilettes. Bon, ben on passe par le trou. C'est très bien. Allez, go. Donc, là on prend encore l'hélicoptère. Purée, ça fait trois fois qu'on prend des véhicules aériens. Oh, la cinématique, incroyable. Et on a fini le jeu. Nous l'avons fait. Oui, Kylian, t'as entendu ça? Enfin, t'as vu ça? On est libéré. Ouais, purée. Ah, c'était long, hein. Donc on est arrivé à notre endroit. Nous avons échappé à la prison. Laisse la tête au HQ pour nos prix. Ah non, on n'a pas fini ou quoi? Une pièce, d'accord. Ah là, il propose d'autres hobbies. C'est vraiment la base des hobbies, je trouve. Hein. Tu vas aller sur la lune? Entrer à l'intérieur. Mais j'étais déjà été, non? Attends. Là, on est au stage 50, mais ça veut dire qu'on a fini ou pas? Non, mais j'essaie de sortir parce que bon, là, franchement, s'il n'y a rien. Parce que là, il y a des garages. On va faire une petite visite, hein, de toute façon. Bon, il n'y a rien du tout. Dommage. On pourrait quand même être mieux récompensé. Et une piscine. Purée. Voilà, une piscine. Ah, c'est vrai qu'on peut nager. C'est cool. Voilà, quand même, c'est beau trophée. Voilà, on va créer un petit GG à Kylian. C'était cool. Allez, on va rentrer dans la lune. Oh, c'est beau là. Ces arbres. Cette roquette va nous mener à la lune. Allons-y. Oh, la roquette là. Terrible. Et c'est fini là? Ah ben là. Très bien, on est sur la lune. Waouh, c'est joli. Là, il y a un petit bug là. Waouh, oh purée. Quand on voit le fond d'écran. Mais là, en vrai, je pense qu'on a quand même fini le jeu. Donc en fait, on est dans un autre niveau. Donc c'est la fin en vrai, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un commentaire si jamais vous voulez d'autres vidéos Roblox. Et pour ceux qui veulent savoir, les lives, je verrai si je les reprendrai. Mais en tout cas, portez-vous bien. Ciao.